His Imperial Majesty Haile Selassie of Ethiopie et Jah Rastafari. Soyez les bienvenus à cette session de façon reggae. Encore une fois, on va partager des moments de vibration, des moments d'émotion, mais des moments de découverte et de méditation. Rastafari, on ouvre justement la session musicale avec de la nouveauté. Nous avons un invité qui va nous accompagner tout au long de cette émission, cette session de façon reggae. J'ai un invité avec moi qui va nous accompagner justement tout au long de cette émission. Et voilà, c'est le moment justement de l'introduire. Bonne arrivée, frère. Comment tu vas? Bon, qui va aller? Peace. Rastafari. Amina. Ah bon. Ouais. Ça fait deux jours qu'on ne te voit pas. Déjà, il faut dire qui tu es justement téléspectateur de façon reggae. Ouais. Mm-hmm. Je m'appelle Fulgence Compaoré, je suis artiste musicien, je suis burkinabé. Ouais. Et donc, je vis à Paris. Ouais. Et voilà, et puis je suis fier d'être burkinabé et puis fier de ton émission. Yes, c'est pour ça que je suis venu me présenter aussi. Ok. Merci. Rastafari, on va tout au long de cette émission parler de tes projets, de ta carrière. Mais déjà, j'ai vu dans mes recherches que tu as formé ton premier groupe de percus en 1995 qui s'appelait Nongtava Percussion. Oui. Et à quel moment justement ta carrière a connu l'envol que tu as aujourd'hui? L'envol, je pense que ça a commencé en 2000. Mm-hmm. Je pense que ça a commencé en 2000. Mm-hmm. En 2000, j'ai enregistré mon son Djembe et Djembe Fula. Mm-hmm. Après, parce qu'on était parti en France avec le groupe Nongtava à 6. Pour une tournée dans le sud de la France. C'était à Miramas et puis à Marseille, Nîmes, Montpellier, tout ça. Puis quand on est revenu, donc, le groupe jouait avec mes compositions. Quand on est revenu, donc, j'ai eu l'idée de rentrer en studio, d'essayer de mettre en valeur mes compositions. Et puis voilà, donc du coup, le public burkinabé a pris, les gens ont accepté ce que je faisais, tout ça, mais le message passait, mais tout à travers les instruments traditionnels, le djembé, le doum, le balafon, goni et les flûtes traditionnelles. Ouais. Et donc, franchement, c'était une fierté, ouais. C'était une fierté. Ben voilà, tu disais tout de suite que tu vis à Paris. Oui. Et c'est à partir de quel moment tu as décidé vraiment de t'installer à Paris? Parce que, quoi qu'on dise, Paris est la capitale culturelle du monde. Oui, du monde. Il y a toutes les connexions là-bas. C'est vrai. Mmh. C'est vrai que avec le groupe, en 98, on est parti en France. Et en 2000, on est reparti en France à 8. Et donc, pendant 5 ans, je vivais 6 mois en France et 6 mois au Burkina. Et puis après, avec la demande, les gens me demandaient de donner des cours pour les mairies, pour les associations. Et donc, du coup, j'ai décidé de travailler pour la ville d'Amiens au début, parce que je travaillais pour la mairie, la DRAC, et puis l'inspection académique à Amiens. Et après, je travaillais aussi pour le Festival du film international du film d'Amiens, et où j'ai accompagné le film qui recouille la sorcière. Qui a eu beaucoup de succès. Voilà, ça s'applaudit parce que je n'avais jamais su que Kirikou a eu la participation des maires burkinabés des gens de l'intelligence burkinabé. Oui, parce que pour lancer le film, donc je jouais un peu partout à Amiens Métropole, donc je sortais avec mon djembé. Et on avait des salles de à peu près de 1500 gamins qui venaient pour voir ce film. Et puis moi, j'étais là. Kérékou est petit, mais c'est mon ami. Avec le guillemets, Kérékou n'est pas grand, mais il est voyant. Et puis les enfants chantaient tout ça. Voilà. Donc, on va parler de tout ça tout au long de l'émission. Mais déjà, on a mis des tes clips, justement. Et on te laisse la liberté, n'est-ce pas, de choisir celui que tu veux proposer aux téléspectateurs de façon reggae ce soir, justement, entre colonisation et quand je pense. Mais je pense que je vais prendre quand je pense, parce que j'ai dit quand je pense que je vais prendre quand je pense, parce que quand je pense, c'est un clip qui, ça fait 10 ans, ça me fait plaisir, parce que ça fait 10 ans que j'ai écrit la chanson, j'ai composé cette musique, et jusqu'à aujourd'hui, la musique passe toujours, et puis ça parle toujours des choses qui nous arrivent de la Côte d'Ivoire ou de un peu partout dans le monde, quoi. Ok. Ouais. Quand je pense, c'est Fulgence Compaoré, et il y a de cela 10 ans, et je crois que vous n'avez pas oublié, et vous avez même la nostalgie de cette belle chanson. Quand je pense.
L'Afrique ne va pas se développer par nos voeux seulement, l'Afrique va se développer par nos actions. Pour que l'Afrique se développe, il faut qu'on travaille parce que l'Afrique est bénie. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire, si l'Afrique était maudite, la majorité de nos populations ne travaillerait pas 4 mois seulement sur 12 et pouvoir vivre. Ailleurs, si tu travailles 4 mois sur 12, tu es mort. Mais en Afrique, on peut toujours travailler 4 mois sur 12, la saison pluvieuse, et continuer à vivre. Ça veut dire que l'Afrique est bénie. Si on se bat, si on travaille comme il faut, l'Afrique va décoller. Et d'ailleurs, l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Ce n'est pas une vie d'esprit de Rasta, non. C'est la vérité. Alors, je reviens à toi, Fusance. Et on va parler un peu de ton actualité. Et welcome to the world. Yeah. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie bienvenue dans ce monde. Bienvenue à mon fiston, parce que cette année, on a eu un bébé qui a 11 mois. Ouais. Et bienvenue au Burkina Faso, parce que le Burkina Faso, c'est la capitale du bonheur, la capitale de tout le monde, quelque part. Ouais. Et bienvenue à tous les gens qui pensent voyager, parce que je pense que le monde devait, on ne devait même pas avoir de visa pour voyager, pour moi. Donc, ouais. Welcome to the world. To the world. Ouais. Donc, allez, le welcome, monde. Voilà, appartient le monde, la liberté, la liberté à tout le monde. Quoi. Donc, et c'est le nom de ton dernier album qui est sorti. Qui est sorti le 6. Le 6. Le 6 à Ouaga, ouais. Et justement, où on peut le trouver à Ouaga ici? On peut tout, mon album est disponible un peu partout au Burkina. Mmh. Et donc, on peut trouver ça à la librairie de l'Hôtel Indépendance. Mmh. Et on peut trouver ça aussi aux alentours de l'Hôtel Indépendance. On peut trouver partout, il y a des vendeurs, même chez Remdogo. Mmh. Et puis, un peu partout, à Bobo aussi, on peut trouver ça chez Sekouba. Mmh. On peut trouver, voilà, l'album est disponible, c'est sorti le 6. Mmh. Puis voilà, je compte sur ce public burkinabé pour me dire ce que vous pensez de mon album, du travail que j'ai fait. En tout cas, on peut être fier de ce digne fils du Burkina qui va travailler dur à travers le monde avec son djembé, avec son art, sa musique, et qui revient justement construire en Afrique, parce que je ne vous dis pas, mais j'ai vu, il fait partie de la jeunesse africaine qui gagne. Et je crois que c'est un exemple à suivre. Partir, c'est un droit, mais il ne faut pas y rester. N'oublie pas la base. N'oublie jamais les racines, parce que tôt ou tard, on va te rappeler justement que tu viens d'ailleurs. Oui, mais tout le temps. Voilà. Tout et là, j'ai lu dans tes pensées, j'ai pris en substance quelque chose comme ça que tu as eu à dire. Souvent, les Gembe Fola se blessent en jouant et le sang qui coule est toujours rouge. Que les musiciens soient jaunes, blancs ou noirs. Oui. Cela nous montre que nous sommes tous pareils. Oui. Fin de citation. Yeah. Est-ce à dire effectivement que le racisme est un fléau, en tout cas un phénomène qui fatigue tout le monde, qui touche tout le monde, même les artistes. Mais quand on parle de démocratie ou quand on parle de racisme ou quand on parle de liberté, je pense que tout a commencé ici en Afrique, parce que dans nos instruments traditionnels, c'est un silence qui parle. Quand on le djembé, par exemple, je suis un djembé fola, dans le djembé, c'est un silence qui parle, parce que le djembé, tu as 3 notes. Tu as tonique, claqué, et puis tu as les basses, puis tu as un 4e son de bord. Et donc, à travers l'instrument, à travers ce silence qui parle, et je pense que quand un djembé fola joue ou quand quelqu'un parle de l'instrument djembé, je pense que d'abord c'est le respect de l'instrument. C'est le respect, c'est pas qu'un objet, c'est un objet qui parle, c'est un objet qui vit et qui respire, parce que c'est une peau de chèvre, c'est une peau de vache qui est tendue par l'être humain. Et quand on joue, aujourd'hui quand on regarde le djembé, on regarde dans les aéroports du monde entier, quand les gens viennent en Afrique et qu'ils repartent, ils partent avec un djembé ou un goni. Okay. Mais c'est-à-dire que bon, le fait que, effectivement, ce peuple-là du Nord est tombé amoureux, entre guillemets, du djembé, est-ce que toi, en tant qu'artiste utilisant le djembé, est-ce que tu vis moins le racisme ou bien ils ne font pas la différence entre... Non, parce que disons que le djembé est en train de démocratiser ce monde, parce que le djembé nous apprend à savoir que quand on respecte l'instrument, quand on respecte le continent où l'instrument vient, on apprend à jouer l'instrument, on apprend à avoir l'approbation et puis les bénédictions de l'instrument, parce que l'instrument, c'est un instrument qui parle. Et donc, à travers cet instrument, c'est ce que je disais, que moi, souvent, on est en concert, je saigne, mais je ne me rends même pas que je saigne, parce que c'est le cœur qui joue. Et il y a beaucoup de gens aussi qui, quand on regarde un djembé,
Et un joueur de Guembe, même si quand il transpire ou quand il saigne, le sang est toujours rouge. Oui, et donc, à travers ce Guembe, à travers ce Guembe, on apprend que l'être humain, qu'on est tous égaux, qu'on alors, est tous pareils quelque part. Justement, ouais. C'est le remède contre le racisme parce que oui. La musique n'a pas de frontières, comme oui. On dit. Et tu disais tout de suite, Fulgence, qu'on parlait, que quand tu es en tournée, oui. Mais ça fait quoi d'être en tournée, un artiste? Quand on est en tournée et qu'on joue dans des festivals, tout ça, on sent l'existence, on sent la fierté et tu dis merci à papa, merci à maman et puis merci à tous les gens qui t'ont soutenu. Parce ah ouais. Que là, tu sens ta fierté, tu rentres dans les loges. Tu sens que tu existes. Tu sens que tu existes. Voilà, on va parler de ton album, c'est vrai. Ouais. Il est sorti, mais quels sont les projets par rapport à l'album, la distribution de l'album, ouais. Des concerts ou des spectacles en vue, mais d'autres projets que tu pourrais vraiment nourrir pour la musique du Burkina? Et déjà, la fierté, c'est la sortie de l'album. L'album est disponible maintenant au Burkina Faso, parce que je suis venu demander la bénédiction de tous ces Burkinabés avant de faire sortir l'album en Occident, parce que l'album sort en février en France, et puis partout dans le monde. Et voilà, donc, déjà, je suis super content d'autoproduire mon album. C'est une honte, quelque part, c'est une honte de ne pas avoir une production au pays, parce qu'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de manager. Il n'y a pas de structure au Burkina. Mais je pense que nous-mêmes, c'est ce qu'on dit, qu'il faut se connaître avant de connaître les autres. Donc on va apprendre à nous connaître, on va apprendre à nous battre pour avoir notre production à nous, et avoir nos studios à nous, avoir nos matos à nous, où on peut répéter entre nous, et où on peut même inviter des gens à venir répéter chez nous, enregistrer chez nous et produire chez nous. Et donc, c'est cette fierté, c'est l'engagement que j'ai aujourd'hui, parce qu'en juillet, le 1er juillet, je pense que l'inauguration de mon studio d'enregistrement aura lieu au Burkina Faso. Et il y aura un studio d'enregistrement et où tout se passera live, parce que les matos sont déjà là. Et il y aura un studio de montage vidéo. Et je vais ramener mon ingénieur de son de Paris, ici, à Ouaga, pour 2 semaines. Pour faire une compilation, parce que j'ai signé un contrat avec Harmonia Mundi pour un album traditionnel et donc une compilation avec beaucoup de groupes, beaucoup d'artistes. Après, avec mon manager, on va essayer de trouver de choisir les groupes pour faire ça, pour réaliser ça. Et puis du 16 au 31 juillet, et les membres, parce que je suis président d'une association en France qui aide des enfants au Burkina Faso. Et donc, on reviendra, on ne sait pas combien on va gagner, si c'est des millions ou si c'est je ne sais pas combien on va gagner pour venir aider les enfants encore. Voilà. Ça s'applaudit parce qu'effectivement... Ça fait 4 ans que ça dure. Tout le monde ne pense pas comme ça. On en connaît qui ont eu toutes les opportunités, mais bon, malheureusement, ils n'ont pas toujours pensé... ils n'ont pas eu des pensées nobles comme toi. Mais bon, donc, je pense que c'est grâce à vos bénédictions et grâce à ma famille, parce que je suis né dans une grande famille où il y avait 16 enfants. Et donc, je pense que moi, dans ma vie, je dis merci à Dieu, merci à tous les gens qui m'ont soutenu, merci à tous les gens qui ont cru en moi, parce que je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Et on ne sait pas si ça va continuer, ça peut s'arrêter demain ou après-demain. Mais déjà, il faut apprendre à être fier et apprendre à dire « ça marche, ça commence à aller, je gagne un peu ma vie ». J'essaye même d'aider des gens à avancer. J'essaye de penser à des amis, à des gens qui m'ont toujours soutenu aussi. Et aussi des jeunes qui, voilà, des gens qui sont dans ce métier, qui tombent dans la piège de beaucoup d'animateurs ou de beaucoup de gens qui n'ont absolument rien, qui ne connaissent même pas la valeur de la musique. Traditionnelle ou la valeur du Burkina, soi-disant des producteurs qui arnaquent les jeunes, qui vendent pas mal de rêves. Et j'aimerais un jour pouvoir aider ces jeunes à travailler, parce que les jeunes ici au Burkina, je trouve qu'il y a des gens qui ont la volonté de travailler, le courage de travailler, mais ils sont souvent découragés par... Délaissés, justement. Oui. Et là, je profite de ce que tu viens de dire, ta pensée, pour dire justement que vous, hommes d'affaires, qui refusez justement d'accompagner la musique burkinabé, parce que c'est comme ça ailleurs. L'artiste, c'est le créateur, il matérialise ses inspirations
Mais c'est vous, les hommes d'affaires, qui devrez faire le volet commercial pour que tout le monde gagne. Mais si vous refusez de le faire, justement, les artistes vont le faire. Vous avez vu tout de suite les clips du groupe Vitalo, c'est Ali Vérité qui l'a réalisé. Ça veut dire qu'à quelque chose, malheur est bon. Vous allez vous réveiller un matin, trouver que les artistes possèdent tout ce qui concerne, justement, tout ce qui entoure l'art. Ce n'était, ça ne sera pas de gaieté de cœur. Mais non. Alors, mais... il ne faut, faut pas hésiter à les accompagner. Non, mais je trouve que tu sais bien dit. C'est bien dit de parler... de parler des milliardaires qu'on a ici, mais moi je voulais te dire qu'il y a de l'argent sale et il y a de l'argent propre. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, même s'ils te donnent 20 millions, ça va vite finir parce que ça représente l'argent du sang. Et donc moi je préfère quelqu'un qui me donne 5 francs, qui représente la sueur, que quelqu'un qui me donne 1 million ou 2 millions qui représente le sang. Respect, c'est de l'argent qui ne dure pas. Yes, man. C'est l'esprit Rastafari qui s'exprime. Alors je reviens à toi, Fulgence. C'est vrai, c'est une émission de musique, mais d'opinion aussi. Ouais. Beaucoup de pays africains, surtout les pays francophones, ont célébré les cinquantenaires des indépendances. Oui. Alors, quelle est ta pensée sur tes conseils pour le Burkina Faso pour les 50 ans à venir? Ben, je pense que le Burkina est un pays qui a beaucoup d'avenir parce que déjà, on n'a pas la mer. On a, Dieu nous a bénis parce qu'on est situé au milieu où il y a tous les pays qui passent. Ouais. Donc on peut gagner un peu de gombo, même si les gens passent, jettent des trucs par la fenêtre. Ouais. Donc on peut gagner quelque chose. Donc le Burkina Faso, c'est un pays béni. Et je souligne encore la bénédiction des chefs coutumiers qui ont toujours fait un travail colossal pour notre pays parce que je trouve que côté tradition, le Burkina est numéro un. Et le Burkina, côté respect pour les étrangers ou tout ça, le Burkina est numéro un. Pour les cinquantenaires, je pense que l'Afrique, l'heure n'est pas à la fête. C'est une honte quelque part pour ces 50 ans de souffrance, ces 50 ans de galère qu'on a connues. Mais l'Afrique, Dieu, je pense que Dieu a béni l'Afrique parce que Dieu a créé l'or en Afrique, Dieu a créé le diamant en Afrique. Parce que Dieu savait que s'il n'avait pas mis ses richesses en Afrique, on allait être oublié et abandonné. Et comme Dieu a mis ses richesses chez nous, et ces pays qui n'ont rien sont venus se construire chez nous, et ils ont versé beaucoup de sang, pour, mais je pense que le retour à l'envoyeur, quelque part, est en train de se dessiner. Oui. Voilà. Alors c'est voilà. Le mot de conclusion, justement. Ouais. Merci aussi. Vous assure, c'est vrai, le retour... c'est que l'Afrique va reprendre sa place. Oui. Et il n'y a pas lieu de se décourager parce que c'est le moment de prendre l'envol, justement, prendre le devant des choses. C'est le message avec lequel on va se dire au revoir. Et toi, n'oublie pas, quand tu seras en France, de saluer le frère Beta Simon. Oui, on joue ensemble le 11, le 13 ou le 14 août. Okay. Et 2011 dans le sud de la France. Okay. Puis merci Océane, merci pour ton émission, merci pour ta fierté. Que Dieu veille sur ton émission comme le soleil qui se lève dans ce pays. Okay. Peace and love. Amen. Yes.